Bonjour à tous, c'est Mangaman19 et on se retrouve pour un nouvel épisode de Dragon Ball Xenoverse. Mais que vais-je faire? J'ai déjà fini l'aventure, vous dites. Mais je vais faire les DLC. Oui, les magnifiques petits DLC. Donc niveau level, bah je suis atteint le maximum. Oui, je partais beaucoup la France. Donc c'est-à-dire 85. J'ai mis des nouvelles techniques pour celui-là. Alors, Kulina ou Spot? Et c'est Kulina. Allez, on y va car j'ai hâte de les découvrir aussi. Tu fais maintenant parler depuis du temps, bravo. Désormais, tu peux enquêter sur les distorsions temporelles. Mais avant, je te conseille de terminer toutes les missions en cours. C'est fait. Je dis ça pour te rendre service. C'est fait. Alors, t'as envie de partir? Oui. Ok, bonne chance. Ah, relou ce robot. Apparemment, t'as pas vu le moment où j'ai atomisé des migras. Et quand j'ai envoyé Broly dans le mur. Mata. Super, une autre distorsion de l'histoire est sur le point de se produire. Ok. Le trou de verre de Demigra est sûrement à l'origine de ce changement. Si c'est le cas, dans cette chronique, notre ennemi est Baby, l'être artificiel de l'espace. Oui, donc on est dans GT, et GT, bah, j'ai pas trop suivi. Je connais en gros l'histoire, mais c'est tout. Baby est un puissant ennemi. Il a pris le contrôle de mon père, de Son Gohan et de nombreux autres guerriers. On ne sait pas exactement quelle forme aura notre ennemi. Fais attention. Non, moi j'ai juste suivi, en grosso modo, je me rappelle avoir vu un épisode de Baby Vegeta, un épisode où il y a Super C17, et puis un épisode, le dernier, quand il se bat contre Lee Sharon. Debout, l'autre Trunks. Alors, bat tous les ennemis, condition d'échec, PV du joueur épuisé, PV de Pan épuisé. En 789. Plus bien, j'ai ma cape cette fois-ci. Très très éloigné sur moi. Trunk, arrête de faire le genre. On est plus fort que toi. Ne t'en fais pas. Donc là, c'est fort. Bon, j'ai beaucoup de vie, alors je vais partir affronter une nouvelle technique. Vas-y, Manga Punch. Vous n'avez rien vu. Manga Punch. Je me souviens de toi. Bon, tu fais une tunique à gorille géant. Facile à battre. Oh yeah. J'ai dit, facile à battre! Ok. Kamehame! Ah! Ok, d'accord. Ah! Aïe! Ouh! Fais mal. J'aime pas ça. Ah! Mais c'est qui fait mal? Voilà. Alors. Oh, je l'ai one shot! Moi je fais mal.
Le Super Saiyajin 4. Il fait mal. Bon. Wouah. D'accord. Wouah. D'accord. Ok, note à soi-même. Quand un gorille géant doré fait des loopings, ne pas rester à côté. D'accord. J'ai retenu. Mais j'ai pas encore utilisé immunité contre toi. Honnêtement, j'ai pas utilisé immunité contre un gorille géant. Par contre, la durée de la vidéo, je sais pas, parce que je ne connais pas la durée du DLC. Ce gorille géant fait bien plus mal qu'un gorille géant normal. Pourquoi tu sais utiliser un Kenzo et tout? C'est une chose pour s'acheter une forme de changement à Tenzai. Je sais que tu peux faire un game à MRS, ce qui devrait être un petit peu de rachon faire, mais bon, ça c'est une autre histoire. Oh, c'est dommage que j'ai pas réussi à finir. Et on va envoyer en l'air. Allez, pas de blocage ici. Oh! Vas-y, ah, j'espère que ça va marcher du premier coup. Je sais si tu vas zaguer, c'est ça. Manga Punch! Ah, ça marche mieux. Ah, je suis méchant, gros chien. Viens ici. Voilà. Alors maintenant, je vais t'arracher ta petite queue de... doré. Donc maintenant, j'ai un Super Saiyan 4 avec moi. Oula, pas de toupie. Et donc, j'ai un mauvais souvenir. Aïe. Bon. Il ne voit pas un autre boss qui pourrait arriver en ce moment. Alors. Hé, à mettre ta phrase. Sup Special Beam Cannon. Oui, j'ai un peu galéré. Allez. Je vais dire super sans faire exprès, parce que voilà. Moi je peux la faire aussi à l'anglaise, comme je l'ai fait, ou bien à la japonaise, en disant Makatko Sabro. Pourquoi pas. Plus de 3 projections réussies, c'est pas mal. Alors, oui. J'aime pas ça. La dernière fois, il y a eu Broly et Bardock qui se sont battus. Ah, ça aurait été drôle s'il n'arrivait pas. Bon,
Content de te revoir. Tu as fait du bon travail. Ouais, il fait plus mal que ce que j'ai connu, hein, personnellement. Oh, j'avais juste coincé Baby. Et maintenant, un trou de verre. On va voir ça. Je vais examiner le prochain suivant. Prochain parchemin suivant. Oula. Oui, je commence à m'habituer. Ah, je commence à m'habituer à taper les gens aussi. Hein. J'imagine que c'est ça grandir. Tiens, ça travaille. Ok. Next. Ça alors, on dirait que Trunks a trouvé un parchemin. Est-ce que tu vas pouvoir l'aider? Non, j'ai pas envie en fait. Tu vois, bien sûr que oui, espèce d'idiot. Ton aide est la bienvenue, je compte sur toi. Yeah. Chaque fois, tu te demandes s'il veut continuer alors que tu sais très bien que la réponse est oui. Voilà, j'ai trouvé le parchemin. Baby, il est dangereux. Il faudra faire preuve de prudence. C'est un ennemi redoutable, capable de contrôler Trunks. Oui, mais... Enfin, Trunks était sous l'emprise de Demigra. Oui, c'était moi, mais c'était un moi différent, ordinaire. Tu vois ? Un peu différent, reste toi. Oui, c'est vrai. Mais... Bref, c'est pas grave. Là, il y a mal avec ce parchemin, va voir. Et Trunks, tu as détourné la conversation. Oui, faut voilà. Donne-moi ce parchemin, je m'occupe. Voilà. Alerte, terre et enfer connectés. D'accord. Bas 20 ennemis, PV du jour épuisé. Ah. J'aurais dû prendre une autre technique si j'avais su. 790. Un an plus tard, donc. Mais oh. On se calme. Oui, on se calme. Kamehameha! Bon, moi, le côté politique, c'est que là, j'ai personne qui a grandi, à part moi. Oh. Assez long. Manga Punch! Wow. On se calme ici. Génial, c'est évasion. C'est une évasion. Un peu d'ennemis, c'est fait marrant. Bon. S'il vous plaît, alignez-vous tous. C'est cool. Spécial Beam Cannon! Oh, c'est comme tout de suite. Kamehameha! Ah! Oh. Ok. D'accord. Super Saiyajin! C'est pas parce que vous êtes ça, c'est parce que vous êtes nombreux. Makanko Senpo! Ok, j'ai dit Senpo alors que c'est Sapo, mais c'est l'habitude. Spécial Beam Cannon! Manga Punch! Kamehameha! Ha! J'ai l'air de te parler, toi. Manga Punch! Crash Meteor! Voilà. Special Beam Cannon! Oh! Merci. Oh!
Manga Punch! Alors, je sais qu'elle fait pas spécialement mal, mais j'aime bien en fait l'action. Bah, on n'a pas rien. Manga Punch! Hey, hello. Kamehame! Ha! Si j'avais pris seulement une mec plus ultra, cette affaire serait finie depuis bien. Manga Punch! Makenko Sabo! Oh! Tu n'as pas fait ce que tu voulais. Crash météo! Oh! Spécial beam! Cannon! Mais là, je ne peux pas aligner. Bon, ok. Super Saiyajin! Il va faire assez mal ça. Hey, salaud! Kito. Il est avec leur. Se protéger. D'accord. Super Saiyajin. Spécial Beam Cannon. Voilà, 3 d'un coup, merci. C'est ce que je voyais depuis le début. Fallait pas de brochette. Qu'est-ce que t'as fait toi aussi? Allez, suivant. Ouh, je déteste quand ils sont plusieurs. Je préfère légèrement les 1 contre 1. Bata! Jis! Grida! No! Nop! Na! So! Na! Ti! Neo Genyu Tokusen Tai! C'est pas ça? Ah, oh, puis zut. Oh, oh, dégagez! Tu vas vite les rencontrer, je crois. Oh là, c'est Vegeta. Non, c'est assez son fils. Eh, hey, non. Tu veux, oui. Ah ouais, Rico, moi, tu veux jamais comme ça. Crash météor.
sais que je suis pas tout d'accord. Moi, tout ce que je veux, c'est que vous vous alignez, c'est tout. Ah. Spécial beam cannon. Non, Riku, tu es mon adversaire. Et tu vas périr. Manga punch. Désolé. Il en manquait pas, il n'y avait pas deux avec. Genre un gros faible et un homme rouge. Kamehame. Ah. Ouais, bizarrement. Ah ah. Il ne manque pas genre de... Putain, t'as... Et comme est fini de même taille que son mec. C17. Et pourtant t'avais été réanimé de bien gentil, non? Ah, c'est un autre 17, toi. この穴が開かれた。この穴は地上の17号と、この17号が開始。スーパー17号が生まれる。もし、この地上から17号、スーパー17号が生まれたら、あなたが強いスーパー17号を引き合わせるのは危険。先に取ったら、全能を取らなければ。 Attends. Sauvagerie. Non, non. Non, 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 non. Pas fusion. Non. Allez, on vient. Non, non. Pas d'accord pour la fusion. Fusion, C17. Place à Super C17. Non. Je suis pas d'accord. Non. Bon. Toi, t'as... Ok. Je pensais que tu aurais un super bouclier, mais apparemment tu es là d'avoir beaucoup d'endurance. Ah bon, pourquoi? Ah bon, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais m'en poser pour tout à l'heure, mais... Kamehame! Ah! Manga punch! Oh. 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 Crash meteor. Sauvagerie. Alors, fais-moi le malin. Super, c'est 17. Ok, maintenant je sais comment tu as été créé. Parce que la seule scène de combat que je me souviens contre toi, c'est que tu me sens beaucoup exactement dans ce milieu-là. Et tu jouais à quelque chose avec lui. Vous êtes malin parce qu'il a réussi, il a réussi à se cacher dans l'un de ces piliers là. Je me demande toujours comment c'est possible de... Je n'arrive pas à comprendre. Mais bon, je m'éloigne. Coucou, t'es revenu de ton jeu.
J'étais en train de faire un jeu avec quelqu'un dans le souvenir. Oh. Oh. Ah non, après ils vont choper super ces 17. Et ça, pas... Oh. Bien joué Goku. Par contre, dans ces plus d'ailleurs, la plus grande erreur, je trouve, c'est d'avoir fait rajouter. Ah là. Tu parles de qui là? Moi, lui? Parce que, enfin, voilà. Savoir que la ceinture est blanche, j'aimerais bien savoir comment elle a fait pour devenir bleue. Bon, t'as affaire à un Super Saiyan 4. Malheureusement pour moi, je peux me mettre en Super Saiyan 2. Mais c'est largement suffisant. Ah. Oh. Special Beam! Cut Black! Eh oh, c'est pas poli. Makenko Sampo. Deux fois. Dégage. Maintenant je vais t'apprendre le respect. Super. Alors maintenant, Special Beam Cannon. Que tu pars ou pas, ça n'a rien d'importance car c'est une technique. C'est une... Rien à battre. Rien à battre. D'un bouclier. Pourquoi on va pas charger? Ah, c'est bon. C'est sur le coup, tu m'as mis sur le coup. Ah, oui. J'existais pas? Non, c'est pas drôle. Bon, sauvagerie! Ouh! Ça passe parce que juste à côté de mes oreilles! Moi si je peux faire un Kamehameha d'ailleurs. Kamehameha! Ah! Bon, ok, mais je peux aussi faire ça. Mon gars, punch! Ah! Ah attends, c'est bon ou t'as un bouclier, salaud? Ok, c'est le point qui m'y va. Mon. Manga Punch! Et arrête de tourner autour de moi, j'ai déjà ça. Sauvagerie! Bon, Goku, tu me laisses? S'il te plaît. Makenko! Sapo! Dude, ça n'a pas été suffisant. Bon, on recommence parce que ça va être censé être fini. Ah non. Manga Punch! Bon, ok. Makenko! Sanpo! Voilà. T'as des moments, c'était censé t'anéantir, mais. Voilà. Je vais essayer de finir de façon classe. Bon, après, c'est finir spam parce que c'est pas censé comme ça. J'ai vu. Oh, les manga! Punch! Hé, 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 reviens! あのおかしな穴のせいで取り逃がしちまったな。おめえ、またどっか行くのか？また世話になっちまった。この借りはいつか返さねえとな。 Dis-moi comment faire pour me transformer en Super Saiyan 3. Bon, Super Saiyan Dieu, ce serait cool ça aussi. Bon, j'aurais peut-être l'air classe avec des poils. Va pour le Super Saiyan 4, disons que c'est assez... Ça pas content sur ma chaîne. Le trou de verre. Il a un de ce n'est pas une coïncidence. Les Mika essayent constamment de. Il veut servir de Baby et de Super 17 pour qu'il ait une importante distorsion dans l'histoire. Mais il est mort! Enfin, c'est ce que je pense. Mais il est mort! À moins qu'il n'ait pas mort. Il ne peut pas qu'il y ait d'autres changements dans l'histoire.
Considérons le prochain changement comme notre dernière chance. Hey. Entendu. Mais pour le moment, salutez. Préparons une tasse alors. Pour moi. Chaud Dieu. Ah, mais c'est la fin de l'UDC. Ah ah. J'ignore s'il y a d'autres missions de la police du temps. Mais merci pour ton aide. Tu as fait du bon travail. Ah ah. Bon. C'est déjà la fin de cet épisode. Nous avons fait le premier DLC. La prochaine fois, nous ferons évidemment le deuxième. Et puis, bah, le troisième, ça concerne donc la résurrection de Freezer. Donc, je ne pense pas qu'il y ait de quête principale pour. Sinon, merci d'avoir regardé cette vidéo. Ça m'a fait très plaisir de la faire. J'espère que ça vous a fait aussi très plaisir. N'oubliez pas de laisser un j'aime, un commentaire, de partager ou bien de vous abonner. Ça fait très plaisir. Allez, sur ce, tchuss et à la prochaine.